Ah, super, on est quel jour? Parce que je me crois qu'on a les week-ends, par contre, dans ce jeu, les week-ends sont comptés. On est quel jour? J'ai dû passer 4 jours, on a jeudi, vendredi, dans ces eaux-là. On est vendredi. Bon, bah, nickel. C'est le dernier jour, on va avoir à se taper l'école. Après, on a une journée entière pour faire des duels. Ah! Je sais qu'avant son ordre de liste, c'est pas très rassurant, c'est pour ça que je reste ici pour faire des duels. Bah écoute, le monstre, il est en face de toi. Alors, ciseaux, papier, premier à jouer parce qu'à l'époque c'était cheaté. Hop, oh bah ça va, on a une bonne petite main cette fois-ci. Hop là. Alors, il a posé beaucoup de cartes, c'est vrai que lui il est un peu chiant à ce niveau-là. On va garder notre dragon zombie qui est un petit peu plus puissant dans la main. Ça attaque au camp d'évolution. Ah, oh, même pas. Ah! Oh Tanaka, je te déteste, mais d'une puissance, tu peux même pas imaginer. Oh, tu n'imagines même pas. C'est quoi son effet à lui déjà? Ah, oh, super, tout le monde qui détruit cette carte voit son attaque diminuer. Youpi! Ouais, bah tu vas voir, elle est là ma solution. Alors vous allez voir, je vais me bouffer un cocon d'évolution là. Oh non! Oh pas lui! Oh là là! Oh, je crois que pour ce duelliste, ils ont mis toutes les cartes les plus chiantoses du jeu. Oh, et mon force miroir, il est passé. Oh putain! Oh mais Tanaka, t'as même pas idée à quel point j'ai envie de te frapper! T'as même pas idée! Oh la vache, mais je crois lui il a pris un condensé en fait de toutes les cartes les plus chiantes du jeu et il les a compilées dans un seul deck. Ah putain, y a rien de pire que le ver aiguillon. Oh mon dieu. Oh. Ah mais je crois que je vais devenir fou en fait. Allez, vas-y. Oh. Moi je vois une tête de mort là-dessus, ça m'inspire pas confiance. Oh, c'est quoi son effet à lui déjà? Ah d'accord, bon il augmente ses life points si je le tue, ok. J'ai mon steam pack, bon je le garde en main le steam pack. En fait pour détruire son machin au milieu, je vais attendre d'avoir un monstre à sacrifier, d'avoir une invocation sacrifice sous la main. Et comme ça, en fait j'attaque, je détruis. Je pense que ça va être gazelle, j'attaquerai, je détruis et je sacrifie pour éviter de laisser un gazelle affaibli. Pense que je vais partir là-dessus. Oh, un petit reload. Ah, pas mal le petit combo. Super, encore plus de points de vie à tomber. C'est-à-dire que je vais devoir t'attaquer encore plus. Te blesser encore plus. Ah, il le sacrifie. Oh. Oh, j'aurais dû poser mon annulation d'attaque. Oh. Ah, j'aurais dû. Ouais, je vais le poser tout de suite, tiens, parce que là. Hop, alors d'ailleurs, je peux faire un truc super sympa. Hop, comme ça, ton sacrifice. Pan. Et j'ai un sacré terrain d'attaque à faire. Allez, on attaque avec tout le monde. Allez, hop, hop, hop. Que des directs attaques. Ah. Allez.
Oh, je le sens venir à 15 km. Oh, vous le sentez venir, vous? Allez, moi je le sens venir. Là, moi je le sens tellement venir. Genre à 1500 km. Ah bah non. Parce que là, c'est toujours le moment où, vu qu'apparemment il était parti pour être le chiant, méga chiantos, bah, je l'ai bien senti venir avec un petit cocon d'évolution là, histoire de m'empêcher de l'achever. Oh, en plus, il va lui rester 300 points de vie. Il lui reste tellement rien. Ah ouais, non, là, juste pour la classe. Juste parce que j'ai le dragon fucking aux yeux rouges, quoi. Ah, bah le voilà! Je vous l'avais dit que je l'avais senti venir à 500 km. Oh, putain! Oh, putain, heureusement que je l'ai joué pour la classe. Oh, mon dieu, j'ai les AP qui montaient en point. Oh, ouais. Dégage, Tanaka, j'ai plus envie de te voir. Loin, très loin. Ah, j'ai tellement plus envie de voir ta tronche, Tanaka. Mais c'est ta vidéo à quel point j'ai même plus envie de voir ta tronche. Je sais pas combien de duels il lui faut dans la face. Hop. Ah, Katou, viens là. Toi, t'es moins chiant. Allez. Hop. Ok, on va jouer en seconde sur ce duel. Bon, ça nous fait une bonne petite main de départ. Ah, putain, je vais me prendre des dégâts. Je sais pas si le miroir du dragon il existait déjà dans ce jeu. Le miroir du dragon, c'est une carte qui permet de faire une fusion avec plein de dragons de notre cimetière, de notre main terrain au cimetière, et pour invoquer un dragon, et en général, on s'en sert pour invoquer le failli d'être dragon. Je me demande s'il y est dans ce deck, parce que si c'est le cas, j'aimerais bien. Franchement, si j'ai le miroir du dragon, faire un deck dragon, ça pourrait être énorme. Bon, un monstre à 1600. Bon, on va faire une invocation sacrifice, nous aussi. Je vais juste faire survivre Sadji avec, avec un piège. Ouais. Ça me fait bouffer une annulation d'attaque, mais ça me permet de le faire survivre ce tour-là. Et comme ça, moi à côté, je peux faire une invocation sacrifice. Voilà. Oh, il va me vider mon cimetière. Putain. Bon, ça va, s'il fait que ça. Tiens, quelques dégâts à lui infliger. Ah, vivement que j'ai quand même plus de cartes que ça, parce que les cartes, c'est l'infection microbienne, exorcisme et tout ça, je m'en sers pas du tout, mais j'ai tellement rien d'autre. Oh, ça c'est chiant. Surtout que là, ça, je crois que ça va au-dessus de mon deck, c'est ça? Ouais, youpi. Bon, il a plus de cartes. Il avait pas l'air d'avoir grand-chose pour arrêter mes attaques. On va continuer.
Attends, trois cartes face cachée, mais qu'est-ce qu'il a pu foutre face cachée lui? J'ai évité d'invoquer mon autre monde parce que j'ai tellement peur d'un force miroir ou d'une connerie comme ça. Non, même pas. Pff. Ouais. Hop, allez, on va invoquer la belle de prime. Ou alors un petit deck Elemental Hero. C'est vrai que même si les Elemental Hero de base sont plus vraiment très faibles, dans ce jeu ça fait largement l'affaire. C'est vrai que j'aime bien les Elemental Hero. J'ai toujours adoré cet archétype. D'autant plus que maintenant ils les ont fait en version complètement cheatée. Ou du moins ils ont en fait simplifié l'utilisation des fusions des Elemental Heroes. Et en plus, ils ont des effets, des stats bien plus élevés que ceux qu'on a connus dans la série GX. Dans GX, il y a quoi? Il y a Rempart. Rempart qui permet d'infliger des dégâts quand il est en mode défense. On a quoi? Il y a Homme Oiseau de Feu qui inflige des dégâts en dommage d'effet l'attaque du monstre qu'il vient de détruire. Il y a Homme du Tonnerre qui, je crois, c'est en sacrifiant en envoyant une carte de sa main, tu peux détruire un monstre adverse. Après, il y a quoi d'autre? Ouais, je crois qu'il y a Tranchant, Homme Sauvage, tout ça. Ils sont sympas, hein, mais quand tu vois à côté qu'il y a zéro absolu, héros élémentaire, ça rec à tout. Et que maintenant il y a zéro absolu héros élémentaire, que pour l'invoquer c'est juste une fusion entre un héros élémentaire et un monstre d'éléments haut. Qui pour le coup je trouve que au moins ça définit vraiment héros élémentaire. C'est-à-dire que ce sont des héros qui s'invoquent par rapport aux éléments. Je trouve ça déjà largement plus logique. Ils méritent mieux leur nom. Mais l'effet du monstre c'est lorsqu'il quitte le terrain, vous détruisez tous les monstres sur le terrain adverse. Et j'ai bien dit quand il quitte le terrain. C'est-à-dire que vous le détruisiez, que vous le renvoyez dans l'extra deck, ou que vous le retiriez de la partie, quoi qu'il arrive, il a quitté le terrain, il détruit tout. C'est... n'importe quoi. Et encore, heureusement qu'ils ont nerfé... enfin, qu'ils ont ban... heureusement qu'ils ont ban... comment elle s'appelait? Super polymérisation, parce que alors là, c'était tellement nawak. Super polymérisation, pour ceux qui savent pas, c'est une carte... En envoyant une carte de notre main au cimetière, on peut faire une invocation fusion en utilisant les monstres adverses comme monstres matériaux. C'est-à-dire, littéralement, en plus, vu que les héros élémentaires utilisent un élément pour s'invoquer, par exemple, vous avez un monstre ténèbre en face de sur votre terrain, moi j'ai un héros élémentaire, j'ai activé super polymérisation, j'envoie une carte de main au cimetière, je fusionne votre monstre avec le mien et j'invoque un héros élémentaire fusionné qui nécessite un type ténèbre. Ça casse des gueules, mais genre sévèrement. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont ban super polymérisation justement, c'est. Parce que je me tiens pas trop au courant des méta et tout ça du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Je me tiens juste au courant des archétypes qui sortent, je trouve ça toujours intéressant de voir quel nouveau type d'archétype ils créent. Il y en a certains qui sont, je le trouve très drôle. Genre l'archétype moi je l'appelle Destoy parce que je suis habitué à la série Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et c'est je crois qu'en version française c'est Peluchima les Froureurs. En fait, là-bas, c'est un deck fusion et qui a pour thème des monstres de base qui sont des petites peluches d'animaux trop super mignons, mais couplés avec des sortes d'instruments de torture qui s'appellent les instruments l'âme du lutin des ténèbres, un truc comme ça. Et en fait, en faisant fusionner les peluchimales avec les lames de lutin, bah en fait, vous obtenez des sortes de putains de monstres psy, des putains de peluches démoniaque, genre des jouets sortis tout droit des enfers. J'adore la thématique du deck. Et en plus, il est vachement fort ce deck. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré le jouer lorsque je jouais sur Yu-Gi-Oh! Death Pro. Il y avait quoi aussi comme archétype? Je crois qu'il y avait aussi l'archétype Madolche, qui était en fait un archétype. Il a rien de particulier. En fait, la particularité de l'archétype,
C'est pas une puissance de fou ou quoi, et niveau puissance il est plutôt convenable, mais il a un effet qui est super marrant, c'est que les monstres, au lieu d'être envoyés dans le cimetière, sont renvoyés dans le deck. Et vous avez une carte qui permet que au lieu qu'ils reviennent dans votre deck, ils reviennent dans votre main. C'est pas trop fort parce que franchement les autres effets sont pas ouf. Mais je trouve ça tellement marrant d'avoir un deck où le monstre revient à l'infini. D'autant plus que après vous avez des effets qui s'activent si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière. Ce qui donne en gros toute une synergie avec le deck. Enfin, c'est pas super fort. Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était super fort. Mais alors qu'est-ce que c'était drôle. Ouais, non, je suis obligé de papoter parce que là, il a rien. Gobelin de Robin. Le gobelin de Robin. C'est la base dans ce jeu. Non, je déconne. Je sais pas ce qui est censé être la base dans ce jeu. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, je suis en train de lui mettre la face. J'invoque pas le dragon tout de suite. Parce que disons que je perdrais en dégâts si j'invoquais le dragon de Rose du Rouge. Bon, après, avec GX, c'est apparu des archétypes démoniaques. Des archétypes que moi je pense que même sous la torture jamais je joue ça. C'est les bêtes gladiateurs et les seigneurs lumière. Mon dieu que je déteste ces archétypes, même aujourd'hui. C'est atroce de jouer contre ces trucs. Surtout, je pense que le pire ça reste le deck seigneur lumière. Le machin, certes les effets de tes monstres meulent tout seul ton deck, mais vu que ça active des effets quand tu meules ton deck, en fait le deck t'as l'impression qu'il joue tout seul. Le mec, t'as pas besoin de réfléchir. Et ton deck il joue tout seul. Il joue pour toi. Surtout qu'après ils ont un monstre qui s'invoque spécialement, qui a 3000 points d'attaque et qui en sacrifiant quelques points de vie au niveau 3 et qui en sacrifiant quelques points de vie nous permettent de détruire tout le terrain sauf lui. Et en fait mathématiquement parlant, si t'arrives pas à arrêter son effet en 2 tours il te tue, en 3 tours il te tue. Merde, j'ai pas vu le. Et toi, au quoi vous me direz, je reçois un message, tout bien s'il m'ajoute. Ah, les spectres de l'école. Katou, voilà, Katou m'a ajouté en ami. C'est un bon début. Allez, plus que les autres. Donc maintenant, j'essaierai d'affronter les autres duellistes. J'essaierai d'en trouver Cyrus et. Oh, et pas Tanaka, pas lui. J'ai pas envie d'affronter Tanaka. Quoi vous me direz, c'est pas le plus chiant, mais. Ah oui, c'est vrai, c'est le week-end. On va pouvoir faire des duels toute la journée. Ça, c'est bien. Voilà, regardez, là j'ai Katou en ami, bah là j'ai le petit avatar de Katou, un petit peu moche, mais au moins on reconnaît que c'est Katou. Donc je sais que c'est lui, donc je vais éviter de l'affronter, je vais essayer d'en trouver un autre. Il n'y a personne d'autre dans le coin? Oh, la déception ultime. Bon bah attendez, on va essayer d'explorer un petit peu l'île alors. On va aller à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, peut-être que ça déclenchera un event. Il n'y a personne aux alentours, toujours rien. Surtout que là on est passé niveau 3, alors ce serait cool d'avoir un petit event. Dortoir jaune. Je m'appelle America Ushimura. Comme tu le vois, j'appartiens au Dortoir jaune de rat. Ah, oh putain. Ah, il est niveau 1. Oh, je me souvenais même pas de toi. D'accord. Bon, bah écoutez, on va affronter d'autres duelistes. Ça va nous changer un petit peu de Tanaka et Kota. Alors. Bon, on va y aller doucement pour commencer. Hop. Et on va terminer le tour. Voilà. On va laisser dévoiler un peu sa stratégie avant de voir ce que je vais faire. Oh. Bon. Oh là là. Ça fait beaucoup de cartes face cachée, ça. Attends, attends, elle fait quoi ton truc déjà? Chaque joueur envoie la carte du dessus de son cimetière, de son deck au cimetière. Tu viens d'envoyer mon gobelin de Robin au cimetière, là, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de l'erreur que tu viens de faire? Est-ce que t'as la moindre idée de l'erreur que tu viens de faire, mon gars? Bon, là, il a sa cage du cauchemar, je peux pas attaquer pendant 2 tours. Enfin, lui non plus, mais bah, du coup, ça va faire un jeu posé. Je vais poser mon force miroir parce que dans le doute, là j'ai beaucoup de monde sur le terrain, alors dans le doute.
Ouais. Bon, on va pouvoir attaquer, on va enfin pouvoir faire quelque chose de ce duel. Alors, activer fait de la carte, non, j'ai pas besoin. Non, je déteste avoir des magies rapides dans ce jeu. Hop. Alors, non. Toujours pas. Skull Angel, je crois qu'il a un effet un peu casse-burn. Il permet de piocher une carte quand il meurt, ça? Piocher une carte de votre deck, ok. Hop, non. Oh, il fait quoi la Morphogère numéro 2? J'ai rien. Ok, bon bah je perds tous mes monstres. Oh. Tac tac tac. Oh là. Oh là là. C'est quoi ce meulage de deck là? Oh please! Cette meule de mon deck qui vient de me faire là? Ouf! Oh là! Comment il vient de me meuler à mon deck? D'accord, lui il a un deck de meule, c'est ça? C'est atroce ce genre de stratégie! Bon, on va tout mettre en mode attaque, hein, parce que là, il a pas l'air d'être décidé à attaquer, lui. Donc on va avoir un petit peu le bruit. Oh là là! Heureusement que j'ai une force miroir pour... Oups! Je viens de mettre une elfe mystique en mode attaque. Mon dieu, je mérite... Je mérite tellement d'être frappé pour avoir fait ça. Oh, mais fuck. Putain, Morphogère maintenant. Allez, ouais, on fait des mains, ouais, pan. Oh là là. T'as mettre une elfe mystique en mode attaque. Oh là là. Oh mais il y en a qui sont tellement morts pour moins que ça. Mon dieu, alors ça c'est un truc qu'on va pas voir souvent. Une attaque directe d'elfe mystique. Ça, enregistrez bien ce passage-là parce que vous allez pas voir ça souvent. Ça skill niveau 3, bien sûr que tu veux l'attaquer. Bah écoute, j'ai envie de dire nope. Va te faire. Quoi? Comment? Please! Hey, please! Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et attends, il le garde sur son terrain ou. Ah, mais c'est qu'en plus il le garde! T'es sérieux le jeu? Oh putain, vache! Mais. Quoi? Je ne comprends rien à ton deck, qu'est-ce que tu me fais là? Son deck est envoyé au cimetière. D'accord, c'est un deck de meule, mais. De type. Attends, toi déjà, hop! Voilà, hop, là, comme ça, il va pas me faire chier avec. C'est que c'est un monstre sur terrain pour des. Ouais, bon, ok. Allez, on va faire pour la première fois l'invocation de Ryuran. Qu'on n'avait encore jamais invoqué jusque-là. D'accord, ouais, c'est un deck de meule qui est là. Je crois que c'est pour ça. Je crois que j'ai pas dû l'affronter souvent à cause de ça, parce que je déteste ce genre de deck. C'est un petit peu comme les decks Exodia. C'est les decks, toi, je sais que quand je joue contre, c'est. Hey, vas-y, va te faire foutre. Je lance mes cartes et va te faire. Si jamais vous jouez avec Exodia, sachez que j'ai un profond mépris pour vous. Mais genre là, sans rigoler, je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un joueur de deck d'Exodia. Parce que le deck qui te fait piocher et puis oh, j'ai gagné. Non. Juste non. Je refuse de jouer contre un deck où le mec il passe tout son tour à piocher et qu'ensuite il dit oh, c'est bon, j'ai assez pioché, j'ai gagné. Ça, je refuse. Ah, ouais. Vous voyez, les renforts, là, ils vont servir. C'est très situationnel, mais ça marche.
que donc pour ceux qui connaissent pas la stratégie des decks Exodia, il y a une carte qui s'appelle Cœur de l'Opprimé, qui permet, lorsque l'on pioche un monstre normal, de repiocher. Et si la repioche est un monstre normal, vous pouvez encore repiocher. C'est-à-dire que tant que vous piochez des monstres normaux, vous pouvez continuer à piocher en continu. Et la stratégie du deck, c'est vous posez Cœur de l'Opprimé, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal, oh une pièce d'Exodia, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal, oh une pièce d'Exodia, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal, vous piochez, monstre normal. Et en fait, en un seul tour, avec juste ça, le mec, il pioche tout son deck, et s'il a un peu de chance, et ben en fait, il a réuni toutes les pièces d'Exodia en un seul tour. Voilà, il a gagné, il a pioché tout son deck, il a gagné. Youhou. C'était palpitant, amusant, très intéressant.